Voici comment utiliser n'importe quelle voix avec l'IA et pourquoi pas faire des covers. Rendez-vous sur tryreplay.io. Nous allons télécharger le logiciel Replay. Donc nous, on est sur Mac. Si tu es sur notre plateforme, il faudra aller dans Other Platform. Une fois lancé et installé, nous allons créer un nouveau son. Nous avons deux possibilités. Soit créer une musique IA à partir d'un audio déjà enregistré, soit créer une cover IA à partir d'une chanson déjà prête. Pour l'exemple suivant, j'ai créé une chanson sur IDIO, sur Pikachu et son attaque éclair. J'ai la chanson juste ici. Je vais la télécharger et tout simplement la sélectionner pour la glisser juste ici. Mon audio a été sélectionné. Maintenant, je vais devoir sélectionner un modèle. Ici, j'ai déjà le modèle d'Aya Nakamura que j'avais utilisé dans une précédente vidéo. Mais pour trouver d'autres modèles, je vais tout simplement cliquer sur le lien qui est juste ici et rechercher mon modèle. Par exemple, en tapant Hallyday, j'ai un modèle de Johnny Hallyday. Je peux écouter un échantillon. Et je vais pouvoir ici, dans plus d'actions, télécharger le modèle, décompresser mon fichier zip et directement le déposer juste ici. Mon modèle a bien été mis sur mon logiciel Replay et je vais tout simplement glisser en bas pour pouvoir aller dans Create Song. Mon son est en train de se créer et ma musique vient d'être créée avec la voix de Johnny Hallyday. Je peux la télécharger en allant juste ici et Save to Download. Une grille avec éclat, ce petit champion. Avec lui, ton cœur battra unisson. Les craintes du noir, Pikachu est là. Il est cette foudre guide dans tes pas. Chacune de ses attaques, c'est la lumière qui gagne. Dans la bataille, son éclair là.